Salut à tous et bienvenue dans Tip, la chaîne Tech in Progress, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la chaîne YouTube et on va parler matos. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'avez apporté lors de ma première vidéo. Déjà tout simplement, vous êtes plus d'une cinquantaine sur mon Instagram et vous êtes plus d'une trentaine sur ma chaîne YouTube et je trouve ça vraiment top. Tout d'abord, je voudrais faire un petit point avec vous. Il y a trois critères qui sont très importants en vidéo. Le premier, c'est le son. Le second, c'est la lumière. Et le troisième, c'est l'image. Bien évidemment, je mets l'image en troisième position car il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur d'acheter une caméra super bien et un micro et des lumières pourries. Et du coup, la qualité des vidéos s'en ressent. Donc pour la caméra, moi j'ai un Lumix G80. Donc tout d'abord, vous le recevez, moi c'est le pack avec deux objectifs. Quand on ouvre la boîte, on a des petites notices. Ensuite, on peut retrouver une sangle qui vous servira pour accrocher votre caméra. Une batterie avec son chargeur qui est juste ici. On a également un câble qui va vous permettre de pouvoir le connecter à la caméra. Bien évidemment, le boîtier qu'on va ouvrir tout de suite. Donc ici, je l'ai commandé avec deux objectifs. Et en plus de ça, je me suis commandé une petite merveille dont on va parler tout de suite. Donc le boîtier G80 est un mirrorless ou hybride. Donc c'est un appareil qui est plutôt compact par rapport à un reflex, mais qui reste quand même assez robuste pour avoir une très bonne prise en main et avoir un côté assez professionnel dans votre boîtier. À côté de cela, j'ai un 1260 de chez Lumix. Également un 45-200, 25 mm 1.7 pour avoir un super flou d'arrière-plan qu'on appelle bokeh. Donc tout d'abord, c'est un boîtier qui est stabilisé, c'est-à-dire que le capteur qui est ici est stabilisé. Donc pour vous faire un rapide tour du propriétaire, on a ici le slot de carte SD. Ici, nous avons le slot pour la batterie. Concernant les ports, donc nous avons un port micro sur lequel je vais souvent brancher mon micro Canon. En plus de ça, on a un port pour les télécommandes, port micro USB ainsi qu'un port micro HDMI. Vous le savez probablement, mais l'intérêt aussi chez Lumix, c'est d'avoir pas mal de molettes qui va nous permettre de faire nos réglages très rapidement. Et ça, c'est top en tournage. Si vous vous posez la question, la plaque que j'ai mis en dessous ne vient pas avec, mais c'est la plaque de mon Ronin S. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo très rapidement. Et voilà, c'était tout pour la review de ce G80. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. En plus de ça, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel boîtier vous possédez ou quel boîtier vous souhaitez posséder. Et peut-être que je pourrais vous aiguiller. Et en attendant, pratiquez. C'est comme ça que vous progresserez.